Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture du dueliste légendaire Synchrostorm. Alors, c'est pas une extension que j'attendais particulièrement, mais je suis quand même assez content qu'elle soit là, parce que y a 2-3 petites pépites à choper dedans, et c'est pas rien, notamment la baronne. La baronne de fleurs, même, pour être précise. Ah, et désolé la déco, on est encore en période d'Halloween au moment où je tourne cette vidéo, donc... Et donc c'est pas un, mais 10 boosters que nous allons nous ouvrir, voilà, 10 petits boosters qui font un petit éventail, là, qui fait plaisir. Et on va essayer de choper la baronne. J'y crois moyen parce que tombe pas facilement, mais allez, let's go, on tente, on va voir ce qu'on va voir. Allez, on commence avec le premier booster. Ah, ça fait du bien d'ouvrir des cartes, vous imaginez même pas à quel point. Ah là 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 là. Du Yu-Gi-Oh, ça fait trop du bien. Et on commence avec un Voiturbo Vitesse Roid, suivi derrière du Lirilusque. Alors voilà, ça c'est l'archétype que je cherche énormément, du Lirilusque. Récital Sturnidée. Du Hérisson à Boulon, très très bonne carte, hein, machine, monstre machine, drift rapide, et ensuite le dilemme synchro. Bon, bah c'est pas ouf. À part le Hérisson à Boulon, le petit Lirilusque qui fait plaisir, parce que Lirilusque est un archétype qui me plaît pas mal. Pour le reste, c'est pas ouf. Ah, bah voilà, un deuxième Hérisson à Boulon, vive la liberté, fleur nécro, oh, le fleuret de fleurs, une petite super. Magie d'équipement. Et ok, Drake volant, grande vitesse ruide. Hop. Alors, Mariam, véritable Draco Phoenix, monstre vivre. Wyrm. Guerrier de ruée. Récupération de vitesse. Ah, Lirilusque appelle oiseau. On a une petite ultra, ça c'est cool. Il y a quand même une petite ultra qui tombe, donc ça fait plaisir. Lirilusque, et oh, un nouveau Lirilusque aussi, Canary de Beryl. Ok, donc ça c'est cool, il y a pas mal de Lirilusque. On va la refaire. Il y a pas mal de Lirilusque qui tombe dans ces boosters, et ça c'est sympa, parce que bah, c'est l'archétype que je cherche, comme j'ai dit au début, mais je cherche une Ixis bien précise pour certains de mes decks, donc on va voir. Il y en a une qui est bizarre, on va voir, mais il y en a une qui est bizarre. Chambara, grande vitesse roïde, vive la liberté. Chevalet chasse, vitesse ruide. Putain, elles sont pas faciles à dire, vitesse ruide. Drift rapide, et celle qui est bizarre, c'est oiseau totem. Ok, c'est juste une rare, mais c'est la seule qui est droite. Les autres, elles sont un peu courbées. Il n'y a que la rare qui est droite. Bon. Par contre, elle est vachement sombre, je trouve. Pour une Ixis. Ça fait bizarre, hein, pour du noir. Elle est vachement foncée. Hein. Ensuite, nous avons... Bah, là, c'est pareil, il y en a une qui est... Ok. On va voir, à mon avis ça doit être aussi une rare. Jeanne le Chevalier Noble, Térotrope Vitesse Roïde, Lirilusque Récital Sturnidée. Ah, Machine de Bille Vitesse Roïde, j'aime pas du tout les pendules. Et Monstre 0200, Lirilusque Canary de Bille. Alors les rares sont les seules qui sont droites, les autres sont légèrement courbées, c'est bizarre. Moi j'ai l'impression, je sais pas comment ça a été fait, mais... Sauf que la qualité des cartes elle est de moins en moins bien. Là c'est à nouveau le cas, hein. Enfin c'est flagrant, hein. Je suis désolé, mais c'est hyper flagrant. Hein. Si là j'appuie, on voit bien que celle-ci ressorte. Hein. Et si j'appuie en bas, pareil. Hein. C'est pas moi, hein. C'est vraiment fait comme ça. Hein. Machine de bille, vitesse roïde. Récupération de vitesse. Terror top, vitesse roïde. Oh, chien de mat ultra vitesse roïde. Une petite super. Et pour terminer, Lirilusque plume fantôme, la piège. Ok, il nous reste 4 boosters. Une chance sur 4 de choper une petite ou sympa. Allez, il y a l'Ixis Lirilusque que je veux. J'espère qu'elle tombera. Sinon, il faudra que je l'achète et ça me fait un peu chier. Duc d'Enden, Deiko Vitesse Roïde, Hérisson à Boulon. Bah, déjà, on a 3 Hérissons à Boulon. À mon avis, ça tombe assez souvent. Lirilusque Fauvette de Turquoise, Explorateur Synchronique. Et on a à nouveau Lirilusque. Putain, mais c'est ouf! J'ai vachement de doublons, c'est triste. C'est triste. Guerrier d'assaut de poussière d'étoiles. Oula, Chambara, grande vitesse ruide. Chambara, ça me fait penser à Chambala, donc ça m'a un peu perturbé. Voiturbo, vitesse ruide. Cheval et chasse, vitesse ruide. Et une piège pour terminer. Dupli portail, vitesse ruide. J'ai eu que du ruide. Là, pour le coup, c'est nul à chier. J'aime pas du tout le ruide. Qui n'a rien à voir avec le ruide joué par Cyrus. Alors, Jeanne, le chevalier noble. Chevalet chasse, vitesse roïde. Oh putain, récital, Sturnidée à nouveau.
Ah, le rossignol. Ouais. Voilà, ça fait partie des cartes que je cherchais. Une ultra, donc déjà deux ultras, c'est sur 10 boosters. Voilà, je me plains, mais j'ai eu le rossignol que je cherchais. Et si je pouvais avoir la deuxième, ce serait génial. Fagnon de la Révolution pour terminer. Mais déjà, franchement, le rossignol, je le cherche, il m'en faut deux. Donc, je pense pas que je l'aurai dans le dernier booster, mais on va espérer. Après, on m'a dit que les Irius, elles cotaient pas énormément, donc au pire, c'est pas bien grave. Ah, la fleur nécro. Double yo-yo, vitesse roïde. Le guerrier de ruée. Inconnu synchronique. Et Drake volant, grande vitesse roïde. Bon. On va parler un petit peu de ce booster vite fait. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Franchement, c'est l'extension qui a été pas mal décriée. Et je vais pas vous cacher que moi, à part du coup l'Irius que Rossignol que je cherchais, parce qu'elle a un effet assez sympathique, j'en ai rien à foutre. J'ai vraiment pris parce que j'aime l'Irius. Mais je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout l'extension que j'attends. L'extension que j'attends énormément, elle sort en décembre. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté une display, mais en décembre, on va s'ouvrir une display. Oh que oui, en décembre, on va s'ouvrir une display. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est une petite ouverture de 10 boosters. J'ai pas mal bégayé, je viens de les ouvrir à la sortie du taf. Je les ai reçus un petit peu en retard parce qu'avec les jours fériés et tout ça, la poste par chez moi, ils aiment bien roupiller. Mais bon, je suis quand même assez content. Il y a le petit rossignol qui est tombé. Et voilà, ça c'est le truc qui est cool. Alors, petite anecdote, hein, je vous la mets de plus près. De loin comme ça, j'ai toujours cru que c'était un scarabée. Honte à moi, mais voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette ouverture. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. La bise à tous.